Bonjour tout le monde. On va compléter le projet de la séance libre dans la vidéo. Je vous l'exercice. Donc, déjà, je finis la classe client. Je vais vous montrer la classe compte bancaire. Je vais la classe compte bancaire. C'est une classe qui utilise la classe client. Je vais une variable d'instance liée titulaire. Le type de là où est le client. Alors, je vais vous montrer. Maintenant, créer une classe compte caractérisée par son centre et un code qui est incrémenté lors de sa création ainsi que son titulaire qui représente un client. Puis, définir à l'aide des propriétés les méthodes d'accès aux différents attributs de la classe, le numéro de compte et le solde sont en lecture. Définir un constructeur permettant de créer un compte en indiquant son titulaire. Ajouter à la classe compte des méthodes suivantes. On a une méthode permettant de créditer le compte prenant une somme en paramètre. Une méthode permettant de créditer le compte prenant une somme en paramètre. Une méthode qui permet d'afficher le résumé d'un compte. Et une méthode qui permet d'afficher le nombre de comptes créés. Et finalement, on va créer un programme de test pour valider toutes les méthodes implémentées par la classe compte. Même sur le diagramme de classe. Qui résume une gare, c'est le code l'on fait de la boîte. Donc, je n'ai pas les champs. On dit devise, on dit sort. Devise de type string, sort de type double. On met une seule à l'attribut titulaire. Et tu vois le type d'élo via la classe client. Donc, la classe compte bancaire, il possède trois variables d'instance liées à devise, sort de titulaire. CPT, c'est une variable statique. C'est-à-dire, c'est une donnée qui est partagée à. Vis-à-vis des instances de cette classe. Les objets, ils vont partager la variable. Donc, ce CPT, c'est un compteur ou bien un nombre de comptes bancaires qui vont être créés. Deuxième Visual Studio, on crée une variable d'instance. Dans notre projet, comme d'habitude, on va créer une classe ou bien, je vais venir là, ajouter une classe. On va l'appeler compte. Compte bancaire. Ajouter. Donc, la classe compte bancaire. La première des choses, on va déclarer la variable d'instance. Les variables d'instance qui m'a dit sont mes comptes dans la visibilité private. Donc, je n'ai pas private. On dira le sort, c'est double. On dit private devise de type string. On met ça private client titulaire. Le titulaire, c'est un client, hein? C'est titulaire. Il a de la classe compte bancaire, il a de la variable d'instance, les types d'élèves au client. Au client, déjà, on a implémenté. Donc, il y a les variables d'instance, on a le 2, on va déclarer la variable de classe 1, déclaration d'une variable, niveau de classe, variable de classe, entre parenthèses, la variable de classe, elle est toujours statique. La variété stock qui est déclarée dans le public. Parce qu'on a un élément réservé statique. Le type de la séquence. Donc là, c'est un compteur, le OCP. Il y a une déclaration. Là, tu vois, il y a un fait le cas de l'exercice. Mais on a un fait l'initialisation. Je suis un fait d'accord avec les constructeurs qui sont statiques. On a un fait vide. On a un fait avec le constructeur statique. C'est lui qui va initialiser la variété. Bien, donc dans deux autres, trois, maintenant, les propriétés. Les propriétés. Les propriétés. Donc, les propriétés, c'est que nos publics. On dit le 1 double. Sans avec S majuscule. Et les accolades.
Donc, en lecture seule, donc c'est reget. Donc, retourne 10.10.100. Donc, tu vas chez maintenant, contrôle C. Contrôle V. Je suis une devise. Je vois le type de devise. Alors, je vais voir vraiment le type. Donc, c'est string. C'est le string. C'est un devise. Dis maintenant, nous avons de la propriété. Nous avons de la variable d'instance. C'est-à-dire, premier caractère majuscule, on va dire minuscule. Public. Donc, je vois le titre de titulaire, c'est client. Donc, c'est client. Et majuscule, titulaire. Entrée. Très accolade. C'est un get. Return. C'est 10 points titulaire. De les propriétés. Mon les propriétés, comme je suis quatrièmement, je vais revenir définition du constructeur. Constructeur paramètre. Je vais commenter sur qui c'est le cas, tu lis à l'enchaînement de l'exercice. Dis-moi, quand vous déclarez les variables d'instance, il y a des chiffres variables de classe. Mais quand vous avez les propriétés, il y a de l'ordre. Alors, moi, on dit, mais rien que j'ai, je vais dire les commentaires, ou quand vous dites 1, 2, 3, 4, je vais déclencher le mot, il y a de l'ordre. Donc, on a des constructeurs pour ces paramètres, on a deux par défaut. Par défaut. Par défaut, il est toujours lui. Il prend le nom de la classe. On a une classe CTRL-C. On dit non. Paramètres par défaut, c'est entre parenthèses. On voit le constructeur. On a le constructeur. Mais qui dit le même qui est le accolade ouvrante, accolade fréquente, il a le compte bancaire, il ne fait rien. On dit le cinquième mot. Définition, on dit l'autre, du constructeur. Alors, tu m'as dit l'exercice, la tarbine, je suis un constructeur tarbine, compte bancaire, constructeur par défaut. On dit constructeur par figure, le titulaire ou double. C'est un axe où on a un compte bancaire, les paramètres et l'équipe. Donc, on a un titulaire ou double. Où est l'élimination? Donc, il y a deux paramètres. Donc, deux paramètres. Donc, c'est. Donc, on a le titulaire, c'est de classe client. Titulaire. Il y a le deuxième paramètre, le nom, titulaire et le son. Donc, on dit le double. Son. Bien. Pour le deuxième, on va initialiser les variables d'instance. Et ouais, de préférence, maintenant, je puisse dire une variable statique, puisque qui initialise une variable d'instance, on est un nombre soulève, mais incrémenter le nom la variable statique. Donc, maintenant, c'est un nombre. Une fois qu'on a une déclaration chez variable statique, l'examen, il y a les constructeurs, les ensembles, ou quand même, de la dernière instruction, ce qu'on dit le CPT. Le constructeur, c'est lui qui va construire l'objet. Donc, une fois que l'objet est créé, c'est un CPT, on doit le redire. C'est un compteur, c'est lui qui va compter le nombre de comptes bancaires créés dans notre application. Donc, je n'ai l'initialisation de 10, point, titulaire. Titulaire égal titulaire. Titulaire. CTRL-C. Et je mets titulaire. Titulaire. Donc là, titulaire. Donc là, pour virgule, 10 points, solde. Égal sol. Point virgule. On a donné instruction. C'est CPT plus plus. Donc là, tu m'as dit, add l'instruction. CPT plus. Qui est-ce qui est-ce?
ياك دونك هذا لو ترافاي باش ما يبقاش ريبيتيتيف شنو غادي نديرو هاد الانستركسيون ديجا دارها الكونستركتور لي باردي غنقول له فوالا غنعيطوا عليه دونك اول مره غتشوفوا هاد القضيه ديال 10 اونتر بارونتيز لاحظتوا معايا انا درت اونتر بارونتيز راه ده عطاني تسميه الكونستركتور اللي هو باغ ديفو هو فين عطاه بمعنى هاد الكونستركتور ا دو بارامتر il va utiliser ou là il va appeler le constructeur par défaut ou alors initialiser variable d'instance une fois qu'il sait غادي يمشي يقرا هذه وهذه donc هنا غنديروا 10 entre parenthèses puis parenthèses mais il appelle le constructeur par défaut qui est défini dans la même classe donc là tu vois هذا le constructeur il va appeler هذا le constructeur بجوج بهم défini dans la même classe كنديروا 10 inchallah ملي غنقراو l'héritage on va qu'on dit un constructeur il peut appeler un autre constructeur ou les qui ne sont pas la même classe, une autre classe. Ah, qu'est-ce qu'on fait la classe merde. Donc ça me rend dérouge 10. Donc ça rend dérouge base. Il y a des constructeurs dans la classe de base. Ça marche. Donc à quel moment déjà je fais 10. Donc 10 et 10, qu'est-ce qu'on a 9 non. Alors il joue le rôle d'un objet. Par contre, 10 et 10, il fait les parenthèses, il joue le rôle d'une méthode. Il stocke l'adresse de l'objet en cours de discussion. Ou il stocke l'adresse, il joue le rôle d'une méthode, ou là, en fait, il joue le rôle d'un constructeur. Puisque dans les paramètres, alors on fait appel au constructeur par défaut. C'est-à-dire, il y a des contrôles. Ça marche, donc, on va faire un sixième mot. On va définir le constructeur paramétré. Alors, on va dire, on a définition, contrôle C, contrôle V. On dit le paramètre. Mais quand on dit le paramètre, c'est le gars, les paramètres. Hein? Paramètre. On les a checkés, mais. Contrôle C. Tu m'as dit que c'est un objet. Observe, il y a le code qui est écrit. Alors, il y a ce que je veux dire. Alors, quand même, il y a ce que je veux dire. Je veux dire, on a titulé le sort de devise. Devise, je ne veux pas le type de string. Donc, on a le string. Devise. Donc, je ne veux pas dire. Devise, donc, c'est même chose, non? Donc, c'est 10.devise égale devise. Puisque les deux instructions, déjà des romans de constructeur, il y a quand même une outil. Donc, là, tu m'as dit, nous allons dire, on a hydré les parenthèses, je fais quoi? Les parenthèses, les ouahed, awagalik, wesh, qu'est-ce que tu veux appeler? Wesh, le constructeur par défaut, il y a un slash sur deux. هذا هو لو نور دو سيرشارج شحال كاينه مديفينيسيون دونك ديما فين تشوفوا هذه القضيه عرفوا واش هاد لا ميثود شحال في كومبيان الي سيرشارج دونك في هاد الحاله عندنا الي دو فوا سيرشارج دونك واش بغيتي الخاوي هو هذا واش بغيتي اللي فيه ادو باغاميتر تكليكي هكا هو قال لك حنا واش حنا اللي ما غنعيطوا غنعيطوا لهذا اللي قبل منه اللي فيه دو باغاميتر دونك هو التيتولار والصوت غنجي هنا تكتب تيتولار كليكي الصوت احنا حلينا دونك اي هو ما تنساوش ماشي تعيط لهذا اون في ابيل هذا وتخليها دي زانستريكسيون دونك هاد لي دو زانستريكسيون راه هما هادو دونك بويسك عيطتي عليه هاد لي دو زانستريكسيون غايت اكزيكيتا اذا لا داعي يبقى هنا دونك فلا لي ديفلوبور العدو ديالهم هو لا ريبيتيسيون فين ما تشوفوا لا ريبيتيسيون قلب على اون تكنيك بور اليميني هاد لا ريبيتيسيون في هاد الحاله هي هاد لا تكنيك ديس اون يوتيليز هاد ديس دونك هاد ديس اي نو بيرمي دو ديليميني لا ريبيتيسيون في لوك Bien, donc surcharge les constructeurs quand dans l'exercice, sachez que le les constructeurs, un constructeur lié au statique. Je me sers, je me suis aussi cette définition du constructeur statique. Constructeur statique. Qui mèche venait le constructeur, hein, le constructeur, le rôle d'ILO, c'est d'initialiser les variables d'instance. Ok, donc comme c'est bien le constructeur statique, c'est le rôle d'ILO, c'est d'initialiser la variable statique. Donc la variable statique est devenue, elle est non initialisée. Alors, d'abord, d'ailleurs, quand c'est non initialisé, on a juste un constructeur. Puisque la variable n'est pas initialisée, donc le rôle d'ILO, le constructeur, où elle est initialisée. Le constructeur a une particularité spécifique. هذا الكونستركتور ما كتكونش عنده لا فيزيبيليتي سي ديال هنايا غنديرو غير لو موريز رومبلاسيو داك بيبليك بار ستاتيك دونك هنايا ولا نون دو لا كلاس هي نفس الكونستركت كونترول سي سي لو كونستركت سي لا كلاس او اي كونترول في وكيكون توجور بار ديفو خاوي ديما خاوي لو رول ديالو شنو قلنا il permet d'initialiser داك لا فاريبل ستاتيك شنو هي لا فاريبل ستاتيك هي سي بي كيعطيها لا فالور زيرو هي خدمته هذا هو الكونستركتور ستاتيك اوكي حسيت مزيان
Selina, les constructeurs, on a les deux méthodes, crédité et débité. Selina, c'est deux variables d'instance, un montant, choix, des en paramètres, ou le type de retour, si vous voulez. Donc, c'est très simple. L'implémentation du nombre, 8, et définition d'une méthode d'instance. Une méthode d'instance, c'est-à-dire la méthode qui est appliquée à l'objet. Donc, il y a les méthodes d'instance qui s'appliquent à l'objet. Nous avons la méthode statique ou la méthode de classe. Alors, la méthode qui est appliquée à la classe. Donc, on va définir la méthode qui est de classe. Donc, définir une méthode d'instance, elle est publique. Le type de retour, si vous voulez. La méthode Smith, c'est-à-dire créditer. On a des en paramètres, un montant de type réel, double montant. Donc, à quoi est égal, comment implémenter la méthode créditée? Elle est simple. Normalement, c'est 10 points de solde, de l'ancien solde d'Eli, est égal à la même valeur, c'est-à-dire 10 points solde, CTRL-C, plus le montant des en paramètres. Donc, il faut qu'est-ce qu'on a décrit, on a déjà fait, on a la même variable, qui est l'inéant. Plus un montant, donc on peut utiliser l'opérateur d'optimisation, plus égal. Donc, 10 points solde plus égal montant, ou 10, le nouveau solde, on a affecté l'ancienne valeur de le solde, on a utilisé le montant de 10 en part. Donc, utiliser la méthode créditée, CTRL-C, de façon similaire, la méthode d'instance créditée, CTRL-C. Je vais prendre un petit peu. Maintenant, crédité, c'est débité. Débité. On va des CTRL-C. Débité. Donc, débité, il suffit de changer l'opérateur plus par moins. Débité, il y a moins. Hein? Le son délire est négatif. Donc, l'implémentation, il y a des définitions. Les deux méthodes d'instance, c'est l'inéant. Le nombre de comptes bancaires. Là, tu m'as dit, c'est une méthode qui est statique. Donc, on dit, là, le vieux mot, 8, 9, 10. Définition d'une méthode de classe. Par parenthèse, qui est mal variable de classe dans la statique, c'est dans le cas, la méthode de classe, c'est hier, c'est statique. Maintenant, c'est-à-dire le public, Moubachara, statique. Qu'est-ce qu'il retourne? Un ancien, int, Smith, nombre, compte bancaire. Compte bancaire. Entre parenthèses, les accolades, et il retourne, avec la valeur, retourne. La valeur d'un CPTL, non, pas vu. De l'implémentation de la méthode et les statiques. C'est-à-dire, une fois qu'on a un bon lèvre, c'est un XBO, la méthode de classe. Syntaxiquement, un XBO, la classe, pour la méthode. Les méthodes d'instance, une fois qu'on a syntaxiquement, une fois qu'on a une édité de la méthode, c'est un XBO, l'objet, point, point de la méthode. Déjà, c'est une méthode d'instance ou des méthodes de classe. Bien. Donc, je finis les comptes bancaires, crédité, maintenant, toString est affiché. Je suis au toString. Donc, là, tu vas y aller, l'IDP, qui est bon. Donc, définition de la méthode. La méthode qu'on a eu la polymorphe. Polymorphe. Quand on a le polymorphe, ça veut dire qu'il prend plusieurs formes. On a eu la forme de la classe object, on a eu là une redéfinition. Quand on a eu la redéfinition, il y a override. toString. C'est-à-dire mettre un polymorphe. On dit ici, on déclare la chaîne de liste, string str, comme d'habitude, string. Point. Point virgule. On dit le str, espace, plus égal. Je n'ai rien de fait. Donc, là, tu vas y aller, on a tout string. Qu'est-ce qu'on va afficher? Les caractéristiques de la classe bancaire. Ou de la classe bancaire, je n'ai fait. Fait le titulaire, le volume client. On fait solde, on fait devise. Donc, titulaire, on dit le général, double quote, titulaire,
espace 2 points, plus quoi? 10 points, titulaire, point. Donc, un titulaire, c'est un client. Ou la méthode toString, c'est qu'il y a polyworth. Il y a une implémentation de la classe client. Donc, on va appeler toString de la classe client. Et le titulaire, c'est un client. Donc, on va dire toString. Je vais appeler toString de la classe client. Donc, la classe client, elle va afficher les caractéristiques d'un client. Le wash, le numéro, le nom et le prénom. On va dire str, on va dire str, on va concaténer la suite. Je vais dire non. Il y a deux, le sol, sol, espace, plus, 10, point sol, plus, donc il y a un 0, plus, il faut essayer les noms, plus, 0, anti-slash, anti-slash, on retourne à la ligne, que délicat, anti-slash, on retourne à la ligne, plus, copier-coller, parce que nous avons la ligne, CTRL-C chez la concaténation, c'est là, je mets une caractéristique, donc sans patelier de 10, on dirait une 2. On ne sait pas, je ne sais pas, la méthode qui a été retenue, la chaîne de caractère de l'élite, il y a dans la variable STR, à l'implémentation de la méthode polymorphe, il y a tout ça. Donc, je vais pratiquer la méthode affichée. Donc, notre string afficherait l'état. L'état sous forme d'une chaîne de caractère. Donc, on va implémenter la méthode, c'est d'instance, hein, qui permet d'afficher. CTRL V, 12. Donc, là, c'est une méthode d'instance affichée. Donc, c'est public. Void. Afficher. C'est du prix. On va afficher. On va afficher. On va afficher. C'est 10. L'objet d'Elisabeth, le titulaire. 10. Quoi? On va aller tout ce string. Tout simplement. On va la méthode. On va dire là, c'est. Donc, il y a une fois une brune affichée, on va dire ça. Afficher le contenu de la chaîne qui est. Donc, la série non, la barrière, je rafle le fait. Donc, afficher compte bancaire, compte bancaire, compte bancaire, crédité, crédité, nombre de compte bancaire, tout ça. Bien. Donc, dès le projet de non, on va l'organiser comme d'habitude. On va la classe de la partie. Shift F10. Résumé, extrait de code, entouré de 10 régions. Sur le commentaire, CTRL X. On dira la région de l'élan. Donc, deux, les variables d'instance, moins de l'élan, les caractéristiques. Deux, un dihnaya, shift x10. Donc, deuxièmement, entouré de. Entouré de. On ajoute le commentaire. Donc, deuxièmement, maintenant, variable de classe. La variable de classe est toujours statique. Les propriétés. Propriétés, pas de quoi, l'ensemble des propriétés. Maintenant, Shift et bis, extrait, entouré de. Rien qu'un drôle pas, t'es pas ta ou d'autre, c'est dire votre admérim, oui, mais. Donc, c'est CTRL-C, un géant, CTRL-V. Donc 3, la tuer qui voulait un A, voici je ne dis pas les étapes pour le donc j'ai un shift F10 extrait entouré de 10 agents CTRL X CTRL V. Donc quatrièmement, j'ai la définition de constructeur par défaut, l'INA a fait non, mais j'ai une définition le constructeur à deux paramètres. Shift F10, extrait de code entouré de. Désolé, Jean, c'est tout le commentaire. X, CTRL V,
Bien, donc, n'ayant définition du constructeur paramétré, il fait gain les paramètres. R10, entre les deux régions. On a défini le constructeur statique, mais le constructeur statique, c'est un constructeur qu'on a, au lieu de public, remplacé par le mot réservé statique. Le constructeur statique ne possède pas la visibilité, ni public, ni privé, ni protection. Donc, le ReDLO, c'est initialisé à la variable, il est statique. Donc, c'est Shift C10, extrait de corps entre les deux des régions. D'avoir le constructeur statique. Je ne prête pas la méthode d'instance créditée. Rien. Shift X. Extrait. X. Neuf. La deuxième méthode est d'éviter. Extrait de code. X. Et la méthode statique, la méthode statique, c'est elle qui manipule la variable statique. Donc, elle va manipuler la variable statique. Non, entre deux des régions. X. Contrôle V. Donc, définition des méthodes statiques générales, à tout string ou bien adapté matériel. Shift F10, extrait de code. La dernière méthode, Shift 10, entre les deux. Copie, copie, contre 10. Vas-y. Donc, on a 12 actions, donc il y a les actions du choix. Vas-y. Donc, je n'ai pas dit le dernier. On va sur le programme principal. Regarde les méthodes les définies, mais les constructeurs, ou les propriétés, c'est là donc que l'on s'en valide. Mais on valide, on va sur le programme. Donc, on a déjà dit un commentaire. Regarde que je suis venu à la classe client, sur le commentaire. On dit, je vais non, cliquer non. Donc, il va être ignoré par le compilateur. On va créer, on va instancier la classe DNA quand on crée. Donc, on va sauvegarder le projet DNA, parce que je finis les gens. Donc, comment instancier une classe? C'est quand. Donc, c'est CBR égale new compte, new compte bancaire. De toute manière, il est devenu new compte bancaire. On a instancié plusieurs des instances où le WFI a installé un type de constructeur. Là où on a installé le constructeur par défaut. Donc, par défaut, il est vide. واش نغنجي نديرو هنايا سي بي ان بويسك هاد لو كونط بونكير دونك انا عيطو غير داك لا ميثود حيت ما الا درنا غير سي بي الا درنا نعيطو سي بي ان بوان افيشي غنعطيني غير لي فاريابل دانستونس خاوي درنا افيشي اون اكزيكيوت لو بروغرام exception la répétition d'objet n'est pas définie à une instance d'objet. Fin qui est le problème, la ligne 9. Sur la ligne 9. Donc je kiffe la ligne 9. Je suis le constructeur par défaut de la ligne 9. Pas la ligne 9. Constructeur par défaut. Ouais.
Il doit le code défaut. Constructeur par défaut. Mais je mets CPT plus plus. CPT plus plus. J'ai les yeux. Maintenant, afficher. Je vais afficher la méthode afficher. 10.25. Ah, 10.25. Titulaire. Pendant que le titulaire point to string sort je crois que c'est un message compte bancaire que les caisses ni référence la référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. Compte bancaire, c'est bien égal au compte bancaire. Client titulaire. Client titulaire, solde huissier, avec CPT, les propriétés, définition du constructeur par défaut. Voilà. Compte bancaire public. Il dirait CPT plus plus. Paramétrer. On a 10 points titulaires sur ça, hein, compte bancaire. Je vous en ai un, ce programme, il est dedans. C'est pas affiché, on a été la méthode. C'est pas la méthode, il a été là, mais c'est le compte bancaire. N, nombre compte bancaire. La méthode. مش نعطينا لكم ريزلتا دونك صحيح دونك كاين مشكلة في لابيل كونستركتور سي بي في لافيشاج باش عيط لافيشاج دونك لا ميثود افيشي كتعيط لتو سترينغ وني عيط لتو افيشي كو التيتولار عيطنا لافيشي تو سترينغ كتعيط لتو سترينغ تاتا هذا كيجي افيشي تيتولار دونك الى درنا تيتولار بوان تيتولار بوان تو سترينغ نورمالمون خصو يعطينا هادشي زيرو 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 تيتولار خصو يكون نول Normalement, je mets le constructeur par défaut. Compte bancaire par défaut. On ne voit pas. On est là, on donne point titulaire, 10. Point titulaire. Ensuite, initialisable par nul. Ça, le nom. CDP. Affiché. J'exécute la référence d'objet. N'est pas définie à une instance d'objet. Une
94. La classe compte en 94 et la classe 104. Donc l'année 94, hein, l'année 94, compte bancaire, l'année 94. Mais dis pas. Ok, le problème, la ligne 4 titulaire. Non. 10 points titulaires, point to string. Maintenant, deux fois titulaire. Donc, il y a, ça ne dira 10 points to string. Alors, ouais, d'accord. Ah, donc titulaire, on a appliqué two string à deux reprises. Donc, on a assemblé two string une seule fois. Donc, titulaire, c'est nul, au sol 0, au devis, c'est une chaîne de caractère. Et c'est maintenant le compteur par défaut. Il y a un compte bancaire, il y a un compte bancaire, il y a un nul. Et c'est maintenant le compteur par défaut, il y a un déblèche. Donc, programme d'un ordre validé le constructeur par défaut, et nous avons par défaut qui initialise une variable d'instance. Alors, les variables d'instance, nous qui avons titulaire, c'est une variable de type référence, donc chez Goulet, nul. Solde, c'est un nombre, il y a un zéro. Devis, c'est une chaîne de caractère, il y a un chaîne. C'est le constructeur par défaut. Bien. Alors, Mohimine, c'est que l'achta, avec les erreurs, on a dit le fameux programme d'un ordre. Donc, l'achtumaya, l'erreur qu'on a dit, il y a un affiché de ce string. Alors, Aslan a dit deux strings, donc il y a deux strings. Il y a un titulaire, titulaire déjà, déjà, on a bien affiché le titulaire. Okay. On crée une deuxième instance, compte bancaire CB2, égale NIO compte. Bancaire, entre parenthèses, on a le deuxième step. Donc le titulaire, c'est un new client. Un titulaire, c'est un client. Donc c'est un new client. Donc le new client, on a un numéro, virgule chaîne, virgule chaîne. Ok, donc on a des robots. C'est la vie. New compte bancaire, new client. Donc, on a un new client, je le barre une virgule. Là, virgule, c'est un zéro centre. Le centre de l'eau, maintenant, c'est un affiché. Ouais, CB2. CB2.affiché. Virgule. On sait pareil, l'affichage DNA. Donc j'ai deux clients. On exécute. Ah, le client de l'Illowell, ça m'a fait le constructeur par défaut. Ah, le deuxième compte bancaire, le premier compte bancaire, ça m'a fait le constructeur par défaut. Ah, le deuxième compte bancaire, ça m'a fait le constructeur à deux paramètres. Donc titulaire. Un numéro 100, non, c'est les 8 prénoms réalides, hein, le sort de l'eau, ou devise, c'est une chaîne de caractère attachée. D'abord, on s'est mis un troisième constructeur, il a initialisé les variables d'instance. On dirait copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, là, tu mets le CB3, il y a 101, Brahimi, de l'océan. Zéro de la ligne. CTRL-C. CTRL-V. Maintenant, au HEDA, ça me rend semblé au fil. Le troisième constructeur, le fil de devise. Le devise, nous voit. Le devise, c'est une chaîne de caractère. Il y a un double compte.
مثلاً دولار. أوكي. C'est quoi ça? Le troisième conquer, on va utiliser le constructeur paramètre avec trois paramètres. Exécution. Donc, on a le premier compte bancaire à OA. C'est le constructeur par défaut. Un a deux paramètres. L'acteur a deux paramètres. On s'appelle devise sur la chaîne vide. Et on dit à l'échelle de la chaîne. On se fout. On a donné le CB2. On a copié qu'on a fait le même chèque. CB2, tiens. CB3. CB3. Donc, $1. Donc, on a le conseil à paramètre. Le client de Eli, Ibrahim, Mohamed, on a le solde, on a devisé le dollar. Donc, là, tu as l'implémentation des constructeurs, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, on a le dollar, on a le fichier, on a la classe, on a le programme, on a testé la validité de la méthode. Donc, on a le problème de la surcharge des constructeurs, on a le problème de l'implémentation de la méthode affichée, et par conséquent, on a la méthode toString, puisque affichée est toString, et on a validé trois types de méthodes. Les constructeurs, la méthode affichée et la méthode toString. D'abord, on va vérifier les deux méthodes créditées et débitées. Donc, tu vois le dernier compte bancaire, CB3. Il a dit CB3. Le compte CB3, on a point. On applique la méthode créditée. C'est-à-dire, on va augmenter le salaire de le compte. Maintenant, on va chercher le salaire, on va dire 4000. Il est 4000, donc 6000 plus 4000, il y a 10000. Donc, il y a un double salaire, il y a un double 10000. On affiche avec le client, il y en a avec son compte bancaire. Donc, cb3.affiche. Donc, il y a avant, on a après. J'exécute. Donc, le client, le haut, le 4200 dirhams, une fois, allez, 4000 dirhams, je vais le salaire de l'eau, c'est 10 000. Donc, il est crédité. On va débiter. Il y a un débité affiché. On va obtenir le débité. C'est B3.débité. Débité, on va le 10 000, on va le maintenir 2000 dirhams. Je vais le faire. Je vais le faire automatique, où tu es à 2000 dirhams. طبيعي حال اللي غنطلبو افيشي وغتنقص 10000 موها غتولي عندو غير 8000 سي بي 3 بوان افيشي كونترول سي افون افيشي كونترول اي دونك هنايا كانت عندو 6000 وزدنا 4000 ولات 10000 ونقصنا له 10000 غتبقى عندو 8000 دونك فينالمون بني غنافيشي لو سا لو سالير ديالو لا سا غتبقى عندو غير 8000 درهم جيكزيكيت نمشي نشوفو في التالي هاهي le client d'Yannal Brahimi, compte bancaire de l'eau, pour l'état de 8000. Et par conséquent, les deux méthodes, crédité et débité, l'implémentation de l'eau, il est correct. Je vous dis, on a vérifié, donc on a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on a un peu de statistiques. Statistique, c'est-à-dire on va afficher le nombre total des comptes bancaires. Voilà. Le nombre total des comptes bancaires créés. Le nombre total des comptes bancaires créés. Allez. Donc, je vais aller on est le C et le V. En golo, nombre 1, donc je vais aller dedans. Le nombre de comptes bancaires. Donc, on a étendu la classe avec la méthode de classe nombre de crédits. C'est une méthode de classe. La classe unique, il y a compte bancaire. Il y a compte, classe, point. On dit le N, il y a un CPT variable statique ou qu'il y a la méthode ID. C'est une méthode liée statique. Je clique deux fois. Parenthèse. Compte différent, plus un concaténant de chez message, compte différent.
شوف معايا دونك هنا ستاتيستيك تعرف لي ستاتيستيك تشوف واش هو اون اكزيكيت نعطو ستاتيستيك لو نومبر توتال دي كونت بانكير كريي اي 3 دونك شحال عندنا حنايا 1 2 3 الا مشينا لي كونت بانكير شحال عندنا وقال لنا 3 دونك شحال عندنا 1 2 3 4 3 3 دي كونت بانكير نحطو معايا ليكزيسيس اي لي سامبل هادشي اللي كاين دونك كاع لي ميثود implémentation, two string, notre nom de vitesse, le constructeur affiché. A chili qui fait l'exercice, quand tu m'as un compte fait qu'on le fait trop. L'objectif de l'exercice, c'est comment implémenter une classe qui utilise une autre classe. Donc, Inch'Allah, on joue l'exercice 2, 9, c'est un an, augmenter le niveau avec l'implémentation d'autres types de méthodes. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الاكزرسيس نشوفوا ان شاء الله في الفيديو بروشان السلام عليكم مرحبا